Bonsoir à tous et à tous, aujourd'hui une petite vidéo pour le mode coopération, pareil que la semaine dernière, mais cette fois-ci en mode hardcore. Donc, en fait, je l'ai découvert, je savais pas qu'il existait, et en fait, on va être dans la même situation que dans la vidéo précédente. Et sauf que là, cette fois-ci, il y aura beaucoup moins de chance pour tout le monde, car si vous mourrez, vous pouvez respawn une fois le point capturé, mais vous respawnez qu'avec le minimum syndical, ça veut dire un Mosin, aucune armure, que quelques balles, et puis basta. Il n'y a plus d'indications sur la map, vous pouvez voir, plus d'indications de vos amis. Et cette fois-ci, ça va être beaucoup plus compliqué parce que les bots sont beaucoup plus méchants en fait. Donc là, ça va frôler, il va falloir jouer, avoir une tactique de jeu beaucoup plus lente. Et surtout bien ouvrir l'œil pour pas TK vos potes. Vous avez le droit à 3 TK avant de vous faire kicker automatiquement du serveur. Et donc voilà, on va essayer de s'immerser à fond dans le truc. Et vous montrer un maximum de choses. Et je vais essayer de pas mourir. Vous voyez, il spawn derrière aussi, cet enfoiré. Je vais voir ce qu'il fait. On l'a eu. Donc, généralement, on peut quand même les remarquer par rapport à leur masque. Ils ont des masques bleus, là. Et ils parlent anglais, évidemment. On peut être américain, russe, enfin insurgé, on peut vraiment être tout être. Ah, là, il y en a un là, juste là. Faut que je le casse de là, c'est plus du cul. Ils ont bombé un bombardement mortier chimique, c'est des malades mentales. Qu'est-ce qu'ils font les mecs? Ils vont se... Ah non, faut défendre maintenant. Je sens pas ça. Je suis en place. Je fais TK, d'accord. En fait, il faut défendre. Ils ont mis des molotovs partout, les copains. Pas forcément, des copains. Ah, mais je me fais tirer dessus en fait depuis tout à l'heure, moi c'est plus ça en fait. Hein. C'est pas d'où ça tire, vous voyez, un peu c'est très. Bon, là c'est vraiment des situations qui sont assez rares avec un poste. Non, va pas dans la grenade! Sur le deuxième. On a eu le point, c'est bon. Ennemi sautiste! Yalla, Henny d'absorber! Oui, donc là j'ai l'impression qu'on parle des insurgés par l'arabe, donc du coup je pense qu'on est insurgé, enfin en étant, c'est pas je pense, on est insurgé, c'est sûr. Ah ouais, donc là c'est un peu plus compliqué là, ça va être un peu plus... Voilà, là ils ont fait une bonne demande de mortier, vous voyez le fumigène violet là-bas? C'est la demande de mortier, donc là ils vont bombarder là-bas. Du coup, on devrait prendre sur le flanc gauche pour y arriver un peu mieux. Vous êtes directement détruire le truc, hein, le multi. Vous pouvez tirer à la zone, quand il arrive, il faut la clear, les bots ne disparaissent pas. Ils sont là.
c'est moi. Putain, les mecs, ils sont chauds. Ça TK. Putain, ça TK. Heureusement que je sais pas si la vie se régénère, mais. Ça TK, mort. Les mecs, je vais forcément me faire tuer par un pote. Mais careful là, voilà, le team killer. Allez, il va falloir avancer un petit peu. On a déjà fait le A, on a fait le B. En vie, on est plus que 4 en vie. En fait, vous voyez, c'est vraiment la jouer très slow en fait, parce que sinon vous allez. Putain, je suis sûr que c'est encore un copain qui tire ça. On a 7 minutes, on a le temps de capturer, mais je sais pas quel est le point exactement. Alors lui il m'a tué en se relevant lui. C'est magnifique. Il a fait quelque chose de magnifique. Donc là vous allez voir que quand je vais respawn, bah je vais comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà, il a eu son arme volée. On va respawn avec le minimum syndical. Donc là j'en suis à 10 frags morts une fois, assistance 2. Je sais pas ce qu'il fait lui, il est à 100 km du truc. Voilà, donc là on a eu le C, maintenant il faut défendre C, vous voyez, regardez. Pistolet, Mosin, alors là c'est vraiment pourri, hein. Aucune protection. Allez, bon, on va tous se. Putain, les chargeurs sont vides. C'est un pote. Il faut parier que c'est un pote. Non, non, je l'ai pas marqué, montre. Non, c'est pas un pote. Donc c'est à dire qu'il y en a un qui est là. Tout vos yeux. Ah, je suis mort. Je suis mort direct. Ouais, vos yeux, pas de protection, rien du tout. C'est compliqué. Ils sont à 5-6. Du coup là on a réussi à défendre le point. Maintenant on peut encore respawn. Il faut qu'on ait capturé D et en fait ça va continuer jusqu'à G comme ça. Et jusqu'à ce que soit on a la victoire, soit on a la défaite en fait. Et ça peut aller jusqu'à 3 points je crois. Bon, généralement une partie ça suffit pour détendre. Mais ça va, c'est le premier qui arrive jusqu'à 3 victoires en fait. Donc ça peut être très très long, une partie entière peut être très très long. Ça peut durer pas loin d'une heure.
Si vraiment vous arrivez à perdre, gagner, perdre, gagner, perdre, gagner. En tout cas, ce mode est vraiment cool. Il est très punitif, un peu, pas comme Dusk from Tarkov, mais assez punitif parce que dans le sens où vous spawnez avec un. TK, elle pousse. Putain. Pistolet là. Hop là. On peut pas bouger. On est bloqué. Et en plus, il nous donne 10 balles pour le moisin. C'est vraiment pourri. J'ai pourri. Là-bas, putain. La roquette. Ah, les mecs, ils m'ont eu à la roquette. Ah, on a réussi à avoir le point, donc j'ai par chance eu le temps de spawn sans attendre 20 ans. Il y a plus de chargeur, putain. Ah, il n'y a pas des armes MP7, voilà, MP7. On va prendre un truc un peu mieux quand même, tu vois. Donc, il y a quand même la possibilité de se confectionner un petit truc, vous voyez. C'est cool. Par contre, un seul chargeur. Et toujours pas d'armure, on peut pas ramasser les armures, bien sûr, tout ça. Ce qui est logique. Pareil, lui, au marché aux puces, il cherche des armes. Donc là, vous voyez, on est plus que 4. Il faut qu'on aille prendre une zone entière. Donc là, ça va être. En fait, plus on va avancer, comme dans l'autre mode, en fait, plus ça va devenir compliqué. Hein, c'est. En plus, là, on est que 4. Il y en a qui ont beaucoup respawn. Par contre. Laisse-moi l'arbre. Là-bas. Ah, c'est un copain. Là, le moindre TK, ça peut te. Ça peut. Crève, toi. Donc, je t'ai pas vu. Toujours 4 en vie, si on a réussi à avoir le point. C'est cool. On va pouvoir me faire monter un peu dans les. Donc là, donc surtout n'hésitez pas à mettre ce que vous pensez du jeu. Du jeu en soi est bloqué par l'ennemi. Merde, il y en a un qui bloque. Derrière. Oh putain, défendre maintenant! Prends la mollo! Et la Rouen! Are you still with me? Get out!
Ah, j'ai réussi à me sacrifier à balancer l'incendiaire avant de crever. C'est un kill, ouais, je pense qu'il y a moyen que j'ai fait un carton. Je pense qu'il y a moyen que j'ai fait un carton. Une fois qu'ils ont fini de défendre, je vais pouvoir respawn. Ah, ils sont tous arrivés sur moi, ils étaient moins 5 ou 6. Hunter. Tac tac, ouais, c'est bon. Vous voyez, c'est un peu plus chaud quand même. Alors, regardez, ils sont plus que 3 survivants. On peut même se faire prendre notre. Allez, faut que je sache tirer, mon grand. Voilà. C'est pas fini après, il y a le point. Allez, on est en train de perdre le point. Aïe aïe aïe. Parce que si on perd le point, théoriquement, je pense qu'on. Bim 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 bim. Les mecs, ils sont à 8 mètres du point, je sais pas ce qu'ils font. Go help your friend, guys. You got the point. Putain. Compliqué, hein. Très très compliqué. Bim. Escalier. Bim. Défaite. Aïe 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 aïe. Donc vous voyez que c'est assez compliqué. Tom Fury a tué 10 ennemis avec une arme ramassée. 18. Donc voilà, on a réussi à faire 65%, 70% de la map. Je vais vous laisser là-dessus. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit pouce bleu, abonnez-vous, partagez, etc. Il va y avoir encore plein de vidéos sur plein d'autres jeux. Cette chaîne va évoluer très très bientôt, très vite. Elle évolue constamment, bah, zéro. Donc je vous dis à une prochaine. Et puis. Banzai! On va voir ce que ça fait. Ciao.